Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel Indétrônable. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à un jeu d'un genre que je joue pas souvent, il faut dire. Mais comme il faut faire plaisir à tout le monde, je me suis attaqué à un puzzle game. Permettez-moi de vous présenter Final Dusk. Final Dusk est donc un puzzle game. Merci pour les deux du fond qui ont répondu. Où vous dirigez indirectement la jolie Mina, princesse vampire de son état, qui parcourt le monde à la recherche de la sorcière ayant changé ses parents en pierre. Alors l'histoire, bien anecdotique, hein, vous est racontée via de très jolis artworks en début de partie, et le jeu est d'ailleurs en français, c'est suffisamment rare pour le souligner. A vous donc d'amener la jolie Mina jusqu'à la sortie de chaque niveau, en évitant de rentrer en contact avec les ennemis, toutes sortes de pièges et surtout les sources de lumière qui, comme chacun sait, changent les vampires en pierre. Tout à l'heure, je disais qu'on dirigeait l'héroïne indirectement, et en effet, le jeu possède quelques points communs avec le célèbre Lemmings, dans le sens où vous devez ouvrir la voie au personnage avant de le faire avancer. Concrètement, Final Dusk possède deux phases distinctes. La première consiste à préparer le chemin pour la princesse en déplaçant les objets pour boucher toutes les sources de lumière, et en sélectionnant le trajet à parcourir. La seconde, où Mina se déplace, vous devez utiliser ses pouvoirs pour désactiver les pièges ou assommer les ennemis. D'ailleurs, pour ces derniers, un bon sens du rythme est requis vu qu'ils ne durent tous que quelques secondes. Mais juste arriver à la sortie n'est pas une fin en soi, puisque chaque niveau comporte 3 gousses d'ail, et comme notre princesse ne fait rien comme les autres, elle doit les ramasser pour pouvoir avancer dans les niveaux. Clairement, chaque monde demande un certain nombre de gousses d'ail pour être débloqué et joué. Au début, les puzzles sont très faciles à compléter, les gousses d'ail sont sur le chemin est unique, il n'y a pas d'ennemis, mais ça se complexifie très rapidement. Des nouveaux éléments apparaissent rapidement, comme les meubles trop petits pour être utilisés tels quels, il faudra donc les superposer pour pouvoir boucher les sources de lumière, des ascenseurs, des chemins multiples, et le chemin le plus court n'est pas toujours le meilleur à utiliser, sans compter que les gousses d'ail se trouvent souvent dans des recoins où il faudra éviter plus d'ennemis. Graphiquement, c'est plutôt coloré, mais je trouve les décors un petit peu trop statiques. De plus, ils se répètent un petit peu trop d'un niveau à l'autre. Et même si les fans de puzzle games peuvent y trouver leur compte, je trouve que malgré le fait qu'ils se complexifient à chaque fois, les niveaux se ressemblent vraiment tous. Le principe est absolument toujours le même, et on finit un petit peu par s'ennuyer. En bref, Final Dusk plaira aux amateurs de casse-tête, surtout qu'il se révèle relativement original, surtout par son histoire, et offre une petite alternative aux clones de Tetris, de Casse-Brick ou encore de Puzzle Bubble. Puis il faut quand même avouer que par rapport au puzzle game de maintenant, ce jeu, une fois payé, il ne vous demandera plus de passer à la caisse. Ce test est maintenant terminé et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que moi à le faire. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.